Marie vient d'ouvrir un magasin d'informatique. Elle gagne 27 euros sur chaque ordinateur vendu et ses dépenses mensuelles s'élèvent à 10 000 euros. Quel est le nombre minimum d'ordinateurs qu'elle doit vendre par mois pour faire un bénéfice? Eh bien, on peut commencer par poser l'inconnu ici. X est égal au nombre d'ordinateurs qu'elle vend. Et on s'intéresse au bénéfice. Donc, qu'est-ce que c'est le bénéfice ici? C'est ce qu'elle gagne. 27 euros par ordinateur, donc c'est-à-dire 27 fois x, le nombre d'ordinateurs. Et attention, elle a aussi des dépenses. 10 000 euros de dépenses par mois, et eh bien on doit déduire 10 000 euros ici de dépenses. On s'intéresse au fait qu'elle fasse un bénéfice. Et donc, pour qu'elle fasse un bénéfice, il faut que cette formule ici ait un résultat supérieur à 0. On va déjà commencer par calculer quelles sont les conditions nécessaires à ce qu'elle fasse 0 de bénéfice. Donc, l'équation à résoudre, c'est 0 est égal à 27x moins 10 000. Eh bien, on commence par se débarrasser du moins 10 000 ici en ajoutant 10 000 de chaque côté de l'égalité. J'ajoute 10 000 à gauche et 10 000 à droite. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai 10 000 de ce côté-ci est égal à 27x moins 10 000 plus 10 000, ça s'annule. Je peux maintenant diviser par le coefficient de chaque côté de l'égalité. Donc je divise par 27 ici, 27 de ce côté-là aussi. Les 27 s'annulent et il me reste x est égal à 10 000 divisé par 27. Là, je peux poser la division ici pour calculer 10 000 divisé par 27. Alors dans 10, il y va 0 fois, je prends 100, il y va 3 fois, 3 fois 7, 21, 2 fois 3, 6 et 2, 8, 100 moins 81, ça fait 19, j'abaisse un 0, il y va 7 fois, 7 fois 7, 49, 2 fois 7, 14 et 4, 18. 190 moins 189, il reste 1. J'abaisse le 0. Dans 10, il y va 0 fois. Et là, je suis dans les décimales et j'ajoute un 0. On retrouve 100 qu'on avait vu ici, donc on sait que ça va être 3 et qu'on va répéter ces étapes à l'infini. Donc ça, c'est suffisamment d'informations pour les besoins du problème. On sait que pour qu'elle fasse 0 euros de bénéfice, elle va vendre environ 370,3 ordinateurs. Mais elle ne peut pas vendre un tiers d'ordinateur. Donc si on prenait 370 ordinateurs, eh bien ça serait inférieur à 0. Pour qu'elle fasse un bénéfice, il faut qu'elle vende 371 ordinateurs par mois.